Mesdames et messieurs, ouverture de la guerre Genre. Tout le monde, bonsoir à tous. C'est abusé, notre équipe est restée sur Pokémon. Ah là, les jaunes, on n'est pas ensemble. Les jaunes, on n'est pas ensemble, les amis. 30 points pour la team rouge. Pour débuter ce live, la team rouge qui fait un départ canon. Installez-vous, j'espère que vous allez bien. Le fanart est banger. Ah ouais, bah, hey, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram. Il nous a proposé ceci. Assez stylé en vrai, hein. Vraiment stylé. La petite guerre jaune-rouge, franchement le mec il a une bonne patte graphique. Hein. La petite guerre qui met très très bien avec les bandanas jaune et rouge, les ombrages sont pixels. Hein. Croco, j'ai oublié de te dire que j'adore ta coupe de cheveux, tu t'es fait une petite beauté. Alors si tu espérais gagner des points, je vais juste récupérer ton pseudo et enlever des points à la couleur de ton équipe. Alors, Monsieur Shadow de la team... Team jaune, ok, bon les jaunes en négatif. Hop, allez, moins 5 points pour la team jaune. Voilà, la team jaune en négatif pour commencer. Petite présentation des jeux du jour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons commencer assez bizarrement et assez comment dire, c'est pas tout le temps comme ça, nous allons commencer par Trackmania pour tester un nouveau format. Donc voilà, c'est une petite entracte en début de live avec TM. Ensuite on fait League of Legends quartier avec une petite amélioration encore, épervier petite amélioration, Marbles, Croconquête, Gartic Show, la Pixel War, terrain à annoncer, je peux tanker 2000 viewers. Puissance 4, Fall Guys et l'activité IRL qui s'ensuit, mesdames et messieurs. Alors, l'activité IRL, mesdames et messieurs, j'ai pas réfléchi. C'est pourquoi je vais faire comme d'habitude. Je vais réfléchir. J'ai trouvé. En si peu de temps, c'est ça d'avoir un gros cerveau pifli. Ce qui n'est pas ton cas. Un dessin... Mais, de seins, des gros boobs et tout, non je rigole, un dessin sur, une surface originale. Je vais noter deux choses, la qualité du dessin, en rapport avec la guerre jaune-rouge bien sûr, et je vais noter évidemment en plus, où vous l'avez dessiné. Mesdames et messieurs, le début de la grande guerre a commencé, ça commence toujours par la grande roue du dimanche. Avec beaucoup de choses évidemment. Mesdames et messieurs, attention. Quelle est cette grande roue? Quelle va être la première sentence de la guerre jaune-rouge? Ah non, par contre, c'est du sub-offert, j'explose un mur, hein, je vous le dis. Ok, c'est bon. C'est bon, je tank. J'ai failli exploser un mur pour commencer. 25 points pour les jaunes, mesdames et messieurs. Égalité parfaite, mesdames et messieurs, pour entamer cette grande guerre. Nous allons tester un nouveau format sur Trackmania. Bienvenue à Ticroco Entreprise, donc ça vous pouvez le rejoindre bien sûr. Les maps à train sont ici. On teste un nouveau format en mode chaque point de l'équipe. Donc en gros c'est comment dire, c'est un duel entre tous les points de chaque équipe. Comment on traîne? Et bah, dans tous les cas ça sert à rien de traîner pour ces maps puisque la prochaine fois il y aura d'autres maps. Ce qu'il faut c'est être présent sur les lives et sur Discord. Et sur Discord on annonce l'ouverture des nouvelles maps Trackmania à train pour la guerre jaune-rouge. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la première guerre jaune-rouge édition Trackmania. C'est assez stylé hein, les couleurs des voitures. Donc les voitures, ils sont obligés d'avoir quand même les voitures rouges ou jaunes pour qu'on soit facilement repérable. Et là on a un peloton de tête assez stylé à regarder, mesdames et messieurs. Oh putain. Pour l'instant, attends, ils ont traîné comme des porcs. Non mais c'est des malades mentaux les mecs. Ils ont traîné comme des porcs. Ah, attention, deux jaunes, deux rouges, et Kito qui est en train de prendre le virage intérieur et qui récupère la première position suivie de Zul et de Wolf. On a le trio de tête avec deux jaunes, un rouge. Alors faut savoir que maintenant, le but c'est d'avoir le plus de gens bien placés. Oh putain. Ça c'est quoi ça? Ah c'est la fin de map, ok ok. Et là vous voyez, on a tous les points pour chaque équipe, c'est trop bien en vrai. Vous trouvez ça cool non? 26 points, et la team jaune a 39 mesdames et messieurs. La team jaune a l'avantage. Allez, il faut que les rouges se réveillent. Oh, le groupe de rouges là, on voit un groupe de 3 rouges. Et Zul en première position. Ok, 3 rouges, 2 jaunes. Oh il est mort, génial. C'est pas possible, on l'a perdu, c'est fini pour lui. C'est fini pour Gemal. Et Kito toujours avec, en duel avec Zul.
Et Kyo qui prend l'intérieur. Oh, ça n'a pas suffi. Zul qui ne se laisse pas faire. La team jaune contre la team rouge. Attention, c'est le dernier virage. Après ça, il n'y a plus qu'à aller tout droit. Et c'est les points pour la team jaune. Dernière manche sur cette map. Avec Ekit toujours voilà, en deuxième position. C'est qui en premier? J'arrive pas à savoir. On a Wolf. Donc là, on a un jaune et deux rouges. Enfin, on a deux jaunes et un rouge. Encore une fois, c'est catastrophique. Putain, merde, j'ai plus les noms, les mecs. Oh, j'ai mis Slick, je crois. En tout cas, c'est jaune victoire. Ouais, jaune victoire, rouge deuxième. Donc ça fait encore 25 points pour la team jaune. Ah, c'est parti mesdames et messieurs, Zul en première position. Ekito en deuxième, on va se mettre dans le peloton. Avec Swordrama. Est-ce que Swordrama a très... Oh, Swordrama quatrième position. Et Manatrol, il est... Attends, Manatrol il est team jaune non? Il me semble hein. Ouais, Manatrol c'est le seul team jaune, ok. Qui a pas de tag. Ok, Swordrama quatrième position, cinquième position pardon. Zul en tête, suivi... On va se ravancer un peu, suivi de Ekito en deuxième position. Ça va être dur d'aller le chercher hein. Zul il a l'air très très fort les mecs hein. Ekito et Zul ont l'air d'être les deux meilleurs joueurs, ils ont très tout... c'est une catastrophe là. 15, 8, 12, 10, 6. Non mais les... Ok bon, les... La team rouge là, va falloir faire quelque chose là. 170 à 90. Comment dire hein... Comment dire hein... Il faut que tactise. Moi je veux regarder tactise moi. Moi je veux regarder tactise. Il est où ce... Je ne l'ai même pas. Je n'ai pas tactise. Il n'existe pas dans mon référentiel. Ok, on va se mettre vers la fin plutôt. Mamatrol, troisième position. C'est pas trop mal, mais c'est un team jaune. Donc ça, c'est compliqué pour la team rouge. Ekito qui va essayer au moins de prendre les points de la tête. Ça serait le minimum à faire pour son équipe. On a besoin de ça de la part de Ekito. On a besoin de rapporter les 15 points à son équipe. Sinon, ça devient compliqué. Attention, lui qui n'a pas en tête. Sauf qu'il passe en tête juste à la fin. Il a plus de speed. Ah là là là. Oh, 2, 4 et 5 rouges. Attendez. Je pense que c'est le premier round où les rouges vont avoir plus de points. Allez, Ekito, derrière, ça s'est réveillé. La team rouge s'est réveillée, mesdames et messieurs. En fait. Regardez en bas à droite, vous avez à chaque checkpoint le plus de jaune ou de rouge. Vous voyez 1, 2, 3. Donc là on voit qu'il y a 1, 4, 5 en jaune et 2, 3 en rouge, tu vois. Et au prochain checkpoint, là on va voir premier jaune. Oh, Taxis qui a récupéré la troisième position. Il est tombé. Attends, il y a que... Zul est tombé, Taxis 2 points. Oh, le comeback. Allez, encore un rouge. Oh putain. Il faut... Moi je suis pour l'équipe perdante hein, évidemment les mecs hein, c'est... Vous vous doutez bien. Je pense que Zul s'est mangé un arbre. Ok. Allez, une minute d'échauffement. Mesdames et messieurs, je rappelle, c'est le premier à 700. C'est parti mesdames et messieurs. C'est totalement parti. 4 rouges. Attention, la team jaune. La team jaune, vous avez pas gagné hein, les mecs hein. La team jaune, je pense qu'ils ont cru qu'ils avaient gagné, mais les rouges sont en train de se réveiller là. On est sur des... Oh, Ekito il a des très belles trajectoires hein. Zul deuxième position, Swordrama troisième. Tactise, je vous avais dit que Tactise, il y avait un potentiel dessus hein. Wolf également. Wolf, mesdames et messieurs, qui essaie de récupérer Tactise. Est-ce qu'il peut aller le chercher? En tout cas, Ekito, il connaît la map comme personne. Oula, qu'est-ce qu'il a fait, Zul? Attends, c'était un bug là? Attendez, il y a que moi qui ai remarqué Zul partir tout droit. Ah, il y a deux fins, ok. Oh, j'ai eu si peur. Et t'as fait combien de points du coup? 4? Bah attends, mais elle est nulle ta fin, Zul. T'étais en deuxième position. Mais là, c'est 256 à 202. Je suis plus pour une équipe là. Hein. Parce que là, ça devient giga serré en fait là. Là, c'est fini, je suis plus pour les rouges. Hein. Ok Zul, on va regarder un petit peu Zul. Ok Zul, très belle trajectoire de début. Il prête des très belles courbes. Oh, très belle courbe de la part de Zul. Elle est belle cette courbe, elle est belle. Elle est très très belle. Ok, ok, c'est clean. Oh putain, il a failli toucher hein, sur le côté, vous avez vu, il a failli toucher. Ça dit quoi derrière? Ekito le suit à la trace. Oh, Ekito il est juste à côté. Ekito qui prend le lead. Il finit premier Zul. Oh. Ça s'est joué à 17 centièmes, mesdames et messieurs. 32-0-60 contre 32-0-77. C'est déjà la dernière manche. Allez, on se regarde. On va se regarder Ekito. Oh, Ekito qui a fait un mauvais départ. Non, ça va. Non, non, j'ai rien dit. Il a pris un très bel intérieur. Il passe devant Manatrol de la team jaune. On a Zul qui a fait un très mauvais départ. Mais on a Zul jaune. On a Zul, Wolf et Zul. Ce qui fait que 3 jaunes sont en 2ème, 3ème et 4ème position. C'est très très bien ça. Il va falloir qu'un rouge les sorte de là parce que Ekito ne suffira pas au niveau des points. Ça ne suffira pas. Il faut aller chercher Sword. Sword va-t-il pouvoir chercher une petite place? Oui, il y en a un qui est tombé du côté de la team jaune. Et... Ekito premier, Mamatrol, Wolf, attention! Ouh! Swordrama qui récupère la quatrième place sur le fil à Mamatrol. Pour l'instant, les jaunes sont en tête. De pas énormément. Oh putain, c'est la map qu'on a vue tout à l'heure. Elle a l'air trop stylée, les mecs. Cette map, elle a l'air incroyable. Ok, mesdames et messieurs, c'est le départ. C'est le départ.
La map est stylée en vrai. La map... Oh putain, ça a touché du côté. Un jaune est parti. Un jaune est parti. En tout cas, de... les deux jaunes en première position. Ixio qui est en train de se battre avec les deux jaunes. Génal et Wolf qui sont en 4ème et 5ème position respectives. Oh, attention, ça va récupérer. Génal qui passe devant le jaune. Il a plus de speed. La bataille devant a l'air de faire rage. On va regarder Ixio qui est en train de récupérer la première position pour l'instant. Première position 27 points. Il a un petit peu de centièmes d'avance. 240 centièmes d'avance. Ça suffira pour peut-être valider ses 15 points de la première place. Et. C'est où la fin? Oula, il a freiné un petit peu, est-ce que c'est grave? On l'entend derrière, on l'entend dans le bac. C'est validé. Ça dit quoi au niveau du reste? Quatrième, cinquième, sixième, septième, rouge. Ça veut dire que 2, 3, 4 ont l'air d'être jaunes. Ah non, pas du tout. Des gens n'ont pas fini la map. Oh là, oh là là, les rouges. 15, 10. Attends, là les jaunes, il y a eu un choc total là. Bah attends, vous allez vous faire remonter là par contre, hein. 50 points de retard. Un peu moins de 50 points de retard. C'est chaud là. C'est chaud. Allez, ça se bat bien du côté de la team jaune. Il faut garder ce lead, hein. Il faut pas être sur vos acquis, les amis. Ça me fait peur après un starter canon comme ça. On a besoin d'un Wolf en pleine forme. On a besoin d'un Zul en pleine forme. Avec Ekito également qui se bat encore une fois pour la première position. Oh, ça prend sur la droite. Ah ouais, là, je pense qu'avec ce saut, c'est terminé pour... La première position est terminée, on va regarder le reste. Swordraba qui prend tellement de risques pour essayer de rattraper Wolf et Manatrol pour récupérer des points pour la team rouge. Il a besoin de prendre le plus de risques possible. Il en prend trop et malheureusement, ça va sécuriser les points en face. C'est bien joué du côté de... Oh là, oh là là. Oh, Swordraba qui vient de découvrir un nouveau pilier. Pendant que Zerebianca va récupérer quand même une belle petite position. Il est suisse, oh, c'est stylé. Sixième position pour Cerebianca. Génal également. Cinquième position si je ne m'abuse. 46 de retard. Et là, 40. Ah, victoire pour les rouges. Ah, c'était le Danemark. Allez mec, je dois y aller moi. Ah, je voulais voir si vous suiviez les mecs. Bah oui, je sais. Ah, je vous ai pranked. J'adore vous prank le chat. Eh ouais, je voulais être sûr que vous connaissiez bien les mecs. Bah ouais. Bien sûr, la Danemark. On les a joués en Coupe du Monde hier en plus. Je connais leur drapeau quand même. Arrêtez d'être con. J'ai quand même pas un cul à un chiffre. Putain, Ixio, il prend des belles trajets. Oh, Zul, l'intérieur. Ouah, c'est quoi ce duel de titans, mec? Eh, vous rendez pas compte, mais il faut un bon niveau pour faire ça en permanence, hein. Vous savez qu'ils ont que 3 maps pour traîner. C'est vraiment solide. Et Zul qui va récupérer la première position pour la team jaune. Ça fait du bien. Mais on va voir le reste du classement. Le 3ème, le 4ème. Ils sont tellement loin, le 3ème, 4ème. Ah là 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 là. Là, les mecs, je vais pas vous mentir que je pense que ça va être giga serré. Hein. On va se chier dessus. C'est quoi ces points d'interrogation là? Ouah, c'est quoi cette map futuriste? La map la plus dure, nous dit Kejin. On va regarder un petit peu Ixio quand même au début. Puis après, on va se placer sur le peloton, je pense. Hein. Parce que là, on va voir Zul et Ixio qui vont essayer de prendre le lead. Vous allez voir, les prendre tranquillement leur lead. De manière sneaky. Vous voyez, ça, on s'en rend pas compte, mais hop. Oh, quoique, Wolf. Oh, Zul a touché un mur. On va essayer de voir la remontée de Zul. Il a toutes les places à remonter, les amis. Oh, merde. Zul qui va devoir récupérer toutes les places, qui va devoir récupérer au moins la deuxième là-dessus. Oh, il récupère tout. Il récupère tellement tout. Oh là là, il se balade. Oh, quoique, Tactiz. Ah, dommage, Tactiz. Swordrama qui récupère pas mal de... Oh, c'est le bordel derrière, ça tombe et tout, Tactiz. Actuellement en 3ème position, suivi de Swordrama en 4ème. Oh, Swordrama qui prend un mur. Ok, excellente opération pour la team jaune qui font 2-3-4. Ok, 43 points d'écart entre les deux équipes. 43 points d'écart. Wolf qui fait des bons départs, hein. Il fait des bons départs, mais... Il arrive pas à tenir le rythme sur la longueur. Et il se bat bien avec Tactiz. En vrai, on remarque deux groupes quand même. On remarque Ixio Zul tout le temps premier, deuxième, et Tactiz Wolf qui se battent souvent pour la troisième et la quatrième place. C'est assez souvent comme ça. Allez, 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 Wolf, il faut essayer de remonter ça. Il faut aller le chercher, la troisième place, elle est importante. Si jamais Zul ne finit pas premier, ça vous ferait trop mal. Oui, c'est bien cet intérieur. Il est très bien joué de la part de Wolf, qui récupère quelques centièmes sur Tactiz, mais ça va peut-être pas suffire, attention. On s'approche de la fin. Ah, ça ne suffira pas. Merci Nasa pour les bits, merci énormément. Merci Pixel pour les 8 mois de contrat. Michel pour les 2 mois. Merci monsieur, merci c'est pas vrai pour les 26 mois de contrat. Merci beaucoup à vous. Merci le chat. On arrive sur la 3ème map. Ouais, 3ème map.
Attention, Zulki va essayer de récupérer l'intérieur sur Ikkyo. Est-ce que ça va passer? On a besoin de cette première position. Là, regardez le classement, il est extrêmement serré. Ah, par contre, 700 points, c'était peut-être un peu beaucoup quand même, Kejin. Hein. T'as peut-être un peu déconné. Hein. Je pense qu'un 500 ou un 600, ça aurait été suffisant, je pense. Ok. Premier rouge. Deuxième jaune. C'est le reste le plus important. Le troisième et le quatrième. Oh, brochette de jaune. 3-4 jaunes. Alors, map la plus technique. Elle est facile à finir, mais elle est très technique. Ok. Merci pour cette petite précision. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ectiozul, ça clique sévère. Derrière, on va se mettre la petite POV sur Ecto. On va voir comment on fait une map comme ça. Très technique. Comme annoncé. Ok, Zul en première position. Il est où Ectio? Ah, mais Ectio s'est pris un mur, les mecs. Bon, on va regarder Zul du coup. Mais Zul est tout seul devant, j'ai l'impression. Donc, je crois qu'il est tout seul devant. Je crois qu'il n'y a pas de duel sur cette première manche. Zul récupère la tête. On prend l'intérieur comme ça. Ok, on prend pas, on prend pas l'extérieur. Ectio qui va essayer de récupérer. Est-ce que Tactis prend l'intérieur? Oui, tout le monde prend l'intérieur. Ok. Oh là là, c'est nul. Oh, mais voilà, je le regarde, il est dernier. Oh, ça c'est bien un rouge ça. Oh là 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 là. Oh la catastrophe. Oh le niveau. Oh là là. Oh c'est grave. Oh, ça c'est bien un team rouge ça. Il y a même personne à récupérer. Hein. Il va juste essayer de finir la map. Le stress du live. Ouais ouais c'est ça. Oh attends Zayn. Zayn il fait pas le tour. Attends il l'a passé. Il est passé devant. Non il est pas passé devant. Oh ça s'est joué à tellement peu. Ok, 572, 535. Je pense que ça va se finir sur la prochaine map. Hein. Possiblement, à moins que les rouges se réveillent. On va se remarter un petit coup de sort drama parce que je me régale sur sa POV. Ok non j'ai. Oh là là, c'est. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh y'a rien qui va. C'est pas possible. Oh là là. Oh le niveau, oh là 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 là. Oh il passe devant de jaune. Il passe devant Zayn et ma Mamatrol. Ah non pas du tout, si, non, 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 rien du tout, rien dit. Il passe devant personne. Oh là 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 là. Oh là là, c'est quoi cette position, 7ème. Oh là 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 là. Oh là là, c'est catastrophe. Oh les rouges ont gagné. Les rouges ont gagné, 773 points. Alors c'est possiblement la dernière map. Vu que c'est le premier à 700. Ah oui, du coup on est revenu. Ah oui, donc vu qu'on est revenu, c'était vraiment 700, c'était vraiment de la merde comme, comme nombre de points. Je suis top 26 monde sur cette map. Non mais personne joue cette map aussi, forcément. Vas-y, on va voir ce que donne un top 26 monde. Alors, monsieur le top 26. Oh là là, ça commence à stresser un petit peu là. Alors, top 26 monde, ouais, bon ça tourne quoi, comme une voiture. Ok, normal. Ok, pas mal, ouais. Virage un peu raté, mais bon, c'est pas si mal. Ouais, ouais. Ouais, bon. Après, bon, j'ai envie de dire, c'est dur de pas se prendre de... C'est dur de pas la terminer, quoi, la map. C'est dur de pas la terminer. Par contre, là, les mecs, on discute. Mais là, on se rapproche de la fin, et si les rouges ne se réveillent pas, ce retard ne va pas être rattrapé, hein. Là, c'est qui a le plus de points? C'est les jaunes. Bah, je pense que là, ça commence à être vraiment compliqué pour les rouges. Hein. Je suis désolé, je veux pas mettre un coup de stress aux rouges, mais... Cerebianca, Swordrama, Genal, Tactis et Ectio. Vous avez que une trentaine de points de retard. Je vous jure que ça peut encore se faire. Hein. Mais par contre, il va falloir commencer à faire des prestats exceptionnels. Hein. Parce que c'est le premier à 700, et ils sont à 632. Ectio qui a besoin de récupérer cette première place. Oh Tactis. Oh mais Zul. Non mais vas-y Zul, il fight cheat. J'enlève des points jaunes. Ok c'est pas grave. Le but c'est de récupérer les autres places je pense. Ça va être dur de battre Zul sur cette map. 2-3 hein. Rouges. Oh merde, 4-5 jaunes. Et on a encore Bah ouais mais on a Sword Drama, Genal. Ils sont toujours. Ah non c'est bon, Genal il est là, il a bien fait des points quand même. Oh mais Sword Drama, c'est grave. C'est maintenant les mecs hein. 667. Je vous garantis qu'il faut faire la run de votre ville hein. Là je vous le dis, là faut appuyer sur l'accélérateur et jamais le relâcher. Tac.
Tactise, Tactise, c'est le moment de briller, Tactise. On a besoin de gros potentiel. Mais sont les autres rouges? Qu'est-ce qu'ils font les autres rouges? Pourquoi on en voit que deux à chaque fois? Cerebionka, il fait une dinguerie, je crois. Notre troll Cerebionka, il a fait une dinguerie. Ah non, j'ai rien dit. Non, il a rien fait du tout. C'est terminé. C'est terminé, mesdames et messieurs. Attention. Il manque 2 points. Celui qui va le plus haut dans la 7 game live win. Ok, en sachant qu'ils ont 28 points de retard. Ok, Ekitio, Tactise, Génal, Swordrama et Cerebianca, je vous invite à vraiment faire la run de votre vie. Les rouges sont pas mal, les rouges sont pas mal. Regardez ce groupe de rouges. Ils veulent pas se laisser faire. Ah les rouges, les rouges. Ils sont tous au début. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 0 van. Mais Zul va quand même prendre la tête. Il faut doubler Wolf. Il faut doubler Wolf. Oh là là, il a pris un risque à considérer. Il a pris un... Non mais... Ok, j'ai vu les rouges, vous avez tenté des dingueries, franchement. GG aux rouges. Vous avez tenté des dingueries. On vous a vu, au moins, vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Eh, hey, franchement, vous avez quand même pas mal de points. Hein. 15, 10, 4, 6, 5, malheureusement, j'ai bien peur que ça soit pas suffisant. Malheureusement, mesdames et messieurs, je peux donc le dire officiellement. La victoire pour les jaunes. 723 à 710. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1. Moi je trouve 75 c'est bien. Et on va enchaîner mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Trackmania. N'hésitez pas à faire des retours tout ça dans le chat. Le temps qu'on prépare League of Legends, qui est le deuxième jeu du jour. Alors c'est très simple pour participer les amis. Sur la faille de l'invocateur, il vous suffit juste de mettre votre pseudo League of Legends ainsi que votre emote. C'est parti. On a pris quoi? On a pris Megatron, 4 potions. Et on a pris Chapitre Perdu, 2 potions. On est bien. On est bien, les starts sont bons du côté de chaque équipe. Angel qui attend très patiemment. Il va chercher quoi? Le 6 sert à rien. Le 6 sert... Imaginez, il erre avec le 6. Oh, le route qui touche. Imaginez, erre avec le 6, genre de là. Mais c'est pas possible, je pense. Ah, genre ce heal là, ça n'existe pas, on est d'accord. Je pense que ça n'existe pas. Oula, le Roca touche. Attention, on essaie de pousser dans l'île du côté d'Angel. Heureusement, il pue la merde comme à son habitude. Nous sommes tous rassurés dans le chat Twitch. Mais il arrive à quand même mettre des bons dégâts. Il lui met des petits coups de marteau comme ça par-ci par-là. Attention, l'ignite qui a été claqué. C'est Druid Kaki qui va essayer de mettre son R, son ultimate. Est-ce que les dégâts seront suffisants du côté de Druid Kaki qui met le plus de dégâts possible sur Angel? Angel qui est en train de fuir comme une petite victime. La victoire pour les rouges. On enchaîne. Ok. Nico contre Elise, bon bah j'ai quand même un petit avantage. Je peux healer avec le clone, yep. Oui, tu peux utiliser ton clone pour heal, c'est pas toi qui marche dessus. Belle question de ta part, mon cher Celius. Et c'est peut-être pour ça que t'as pick Nico. Ah, c'est pas con, il a pick Nico pour ça, les mecs. Ça reste équilibré, en sachant qu'il se perd un CD aussi. Ok, bon, ça c'était pas très bien joué. Ah, si, quoique, il voulait bait un petit peu, mais bon. Personne n'y a cru. Allez, j'affiche le tableau des scores. Attention! Elise qui a mis des bons dégâts! Attention, Elise en avait un comme ça qui touche un cocon. C'est littéralement presque un kill! Il va y aller! Ok. Eh bah, la stratégie du clone de Nico qui n'a pas eu le temps de faire effet. Mesdames et messieurs, 30 points pour les rouges! On reprend un tirage. Je rappelle pour jouer, c'est très simple. Votre pseudo sur LOL et votre émote entre les jaunes et les rouges. Ok, alors l'affichage des scores, mesdames et messieurs, 90 points pour les jaunes, 86 points pour les rouges. Nous avons un Mordekaiser de la team jaune contre un Lee Sin de la team rouge qui vont s'affronter, je le rappelle, 30 points par kill et moins 30 points si vous marchez dans un heal. Alors on ne fait pas de bet, ouais, comme on dit, on ne fait pas de bet pendant la guerre parce que sinon des gens peuvent in pour les bets en fait. Donc c'est impossible. La guerre ne peut pas se permettre. Attention, le premier Q seul qui touche du côté de Lee Sin. Il a l'air d'avoir des très bonnes mécaniques. Il Q, il fait proc électrocute et il repart. Vous avez vu, il a mis juste l'auto-attaque suffisante avant de Z out pour faire proc électrocute sans prendre de dégâts en retour. Donc ce premier trade qui me fait penser que ce Lee Sin a une très bonne connaissance du jeu. Au niveau du Mordé, on va voir ce que ça donne. Et ça peut partir très vite en cac avec l'apparition des heals à ce moment-là du jeu.
La griffe qui va toucher, mais pas beaucoup de dégâts sur cette griffe. On va essayer de chercher le niveau 6 hein, du côté des deux joueurs. 2-6 qui sont extrêmement impactants, que ça soit du côté de Mordé ou de Lee Sin. Honnêtement, deux gros R. Ce qui est bien avec celui de Lee Sin, c'est qu'il sert de dégâts et en même temps, il peut servir pour le heal, quoi. C'est pour ça que Lee Sin est vraiment un très très bon... Attention, on va essayer de faire proc l'électrocute et on va s'enfuir encore une fois. On joue au chat à la souris avec ce Mordé Kaiser. Level 7 récupéré, attention, qu'est-ce qu'il va nous faire le petit Mordé? Pour l'instant, le Mordé qui joue très très passif. Le rouge lui met énormément de pression, le jaune est actuellement un petit peu en PLS. Hein. Ça joue pas trop, ça a un petit peu peur, beaucoup de CS sous la tourelle. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a air instant. Qui gagne? Le kick, mesdames et messieurs. Il revient, attention, on voit le proc de l'ex-drinker, le flash in, le flash out. Ok, il s'est passé énormément de choses, malheureusement, évidemment, on n'a rien vu, c'est terrible. Mais c'est à l'avantage de... Mordé, je pense. Deux potions qui tournent du côté de Lee Sin. Une seule du côté de Mordé Kaiser. Ok. Attention, la griffe qui touche. Aïe. Ce trade là, il fallait pas le prendre du côté de la team rouge. Il fallait pas le prendre. Alors, il faut savoir qu'il a de la régène sur les auto-attaques, Lee Sin. Et là, c'est vrai qu'au niveau des points de vie, c'est chaud. Le Q-spell qui va toucher. On peut essayer d'y aller. On va essayer de mettre des bons dégâts. Le proc électrocute et on remet les pendules à l'heure du côté du Lee Sin là-dessus. On remet les pendules à l'heure. Les HP qui redeviennent égalitaires. Ok. Mordé, il a pas de régène, on est d'accord. Ouais, non. Oh, encore un Q-spell qui touche. Sous tourelle, c'est compliqué. Mais putain, mais. J'ai eu la fenêtre. J'ai eu la fenêtre au pire timing, c'est quand même incroyable ma vie, genre. Au pire timing, mais la victoire est pour les jaunes. Alors, est-ce que Lee Sin avait son kick? Comme dit dans le chat, Neslan, beau jeu. Le beau jeu a été tenté, c'est honorable, je suis d'accord. Il n'était pas obligé de rappuyer sur ce Q-spell, il a tenté le beau jeu. Moi, je pense qu'il avait peut-être pas d'énergie pour le kick ou alors il a raté son kick. Toujours est-il que la victoire est pour les jaunes et que les 30 points sont pour l'équipe jaune qui passe en tête 120 à 86. C'est pas dégueulasse. Yumi et Loveblade. Attends, mais c'est quoi ce rouge? On a une game de zinzin qui est en train d'apparaître sous nos yeux. Yumi de la team rouge contre... Mordé Kaiser. Trite d'amère de la team jaune. Heal interdit, 30 points par victoire, moins 30 points si on pousse dans un heal. Ça va se jouer sur le kill. Et on est en premier dash correctement. Premier dash, on met le Q-spell. Mais le problème, c'est la mana. Hein. Non, mais attends, il se fout de ma gueule avec le stuff là. Mais là, il n'y a pas de mana en plus là. Non, mais là, les mecs, il n'y a rien qui va là. Il a pris un ghost. Ok. Oh là, mais comment ça va se jouer ce duel là? Ah, t'étais au courant? Ok, d'accord, j'ai paniqué, ok. Il y a deux imposteurs dans cette game. Bah, en vrai, il a Yumi et le clic, hein. Moi, je pense que ça devient compliqué, là. Oh là là. Bon, évite de repaniquer, quand même. Ok, il a pris le Q-spell dans la gueule, une auto-attaque. Ah, il a peur, ça se voit, il a un petit peu peur. Il a bien régène. Allez, mais mets des autos, là. Oh là là. Il y avait des timings pour mettre des autos. Oh, c'est... Oh, le crit! Et pourquoi il y va pas en all-in comme ça, là, en vrai? Attends, ok. Le flash out contre l'ulti. Honnêtement, je vous le dis, hein, je suis Itazuka, je charge ma barre, et je cours tout droit et je tente... Là, il n'y a pas de R. Je flash ghost et ça part. Hein. On s'en bat les couilles, hein. On stack cette barre et on y va. Ah bon, il a quand même pris pas mal de dégâts. Là, la barre, elle est stackée, là. Il le tente? C'est parti, mesdames et messieurs! Oula. Ok. Non! L'ulti. Oh! Je pensais pas que ça passerait! Bilan des courses mitigé, puisqu'ils ont perdu 30 points, mais ils les ont récupérés juste après. Il est quelle heure? 19h25. Ok, on a encore un petit peu de LoL. On va faire 2-1v1. Et peut-être après, on va faire 1 ou 2 4v4. Allez, c'est parti! Le point positif, entre guillemets, c'est que Tahm Kench, avant l'ulti, a peu de chances de kill, quoi. Ah, quoique, il jouait Loveblade et tout. Les ADC, ils sont pas très forts en map à RAM. Franchement, jouer ADC, c'est chaud. Hein. Tahm Kench qui va tranquillement atteindre son level 6, hein, on le sait.
Il faudrait essayer de le poke le plus possible avant que le level 6 arrive, mais bon, ça va pas être si simple. Skin rouge, Croco. Ouais, skin rouge. Allez, un point bonus pour les rouges, pour la couleur du skin. Oui. Vous l'avez bien vu dans le chat. Effectivement, le skin est rouge. Et non, Jean-Guy, on ne peut pas prendre les deux couleurs. Non. Tu m'as pris pour un jambon de 6 semaines, toi. Si tu prends une couleur et qu'après tu mets les mots de l'autre couleur, tu te fais ban. Bah oui, bien sûr. Attends, tu crois quoi? Tu crois que c'est la fête du slip ou quoi, là? Évidemment. Allez, petit Q-spell qui touche. Attention! Ah, le coup de tourelle est en saison 12, c'est pas le même qu'en saison 11. Il fait mal, ce coup de tourelle. Et déjà, une potion de claquer. Ok, on va arriver au point culminant. On va arriver au problème. Tamken, je vais essayer de trouver une ouverture. Et sachez que ça va être très dur de pas se faire pousser dans un heal. Attention déjà, parce que là, il peut dasher à tout moment. Ok, est-ce que ça a touché? Non, j'ai pas l'impression au niveau du son. Oh putain, le Q-spell qui touche pas. On essaie de renvoyer un petit peu de dégâts. Ok. Oh l'ulti, on essaie directement de mettre des dégâts. Oh, bien joué l'esquive. Oh, clean, le petit sidestep du Q-spell. Vous l'avez vu là, de la part de Nems? Oh la K-Corp. Plus tu mets le Time Kench low et moins il a de possibilités. Ça c'est bien également, l'ignite également. Le Q-spell, le truc, il met les auto-attaques. Il en a rien à foutre. Oh non. Oh là 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 là. Vous pouvez quitter messieurs, j'ai tenté, my bad. Honnêtement c'était clean, désolé pour l'équipe jaune, c'est pas grave. C'était clean en vrai, c'était clean. Ça manquait, c'est le ralentissement du Q-spell qui a fait tellement mal en vrai. Les rouges qui reviennent quasiment au compteur, 3 points d'écart entre les jaunes et les rouges. Autant vous dire que ce début de stream est extrêmement serré. On va se faire un dernier 1v1 avant de passer au 4v4. Le last 1v1 mesdames et messieurs. Au niveau du matchup, c'est très compliqué. Oh la vache, pouah, la fameuse dague dentelée 5 potions. Je regarde également un autre truc. Est-ce qu'on peut pousser dans les heals? Darius il a le E, mais le E ne peut pas le pousser dans un heal, je pense. Bon, en vrai il faudrait être là et grapper là, ce qui est impossible. Oh les dégâts. Oh attention, le Q-spell qui n'a pas touché. Enfin le E pardon qui n'a pas touché. A mon avis, dès que le 6 proc, c'est terminé. Hein. Là, il y a beaucoup de CS. Et il y a un niveau 6 qui va être récupéré bientôt, hein, du côté de Darius. Niveau XP, ça va être la prochaine vague. Donc il faudrait aggro sur le Boons. Et du côté Darius, il faudrait patienter. Le 6 qui est là. Le 6 qui est là, il récupère l'ulti de Darius. Mais comme le chat a dit, apparemment, c'est de la grosse merde. Et donc là, bonne chance à tous, là. Est-ce qu'en plus, il peut le perdre, l'ulti, je viens de penser, en plus. C'est-à-dire que s'il l'utilise pas tôt, il aura quasiment pas de R, quoi. Donc là, c'est encore plus catastrophique, au final. Donc on a mis un petit Q-spell quand même. C'est vrai qu'il peut poke de loin avec le Q-spell quoi. C'est un peu son seul palmarès. Il y a deux potions qui ont été claquées sur les 5 du côté de Darius. Bon c'est léger hein. Darius qui est quand même très bien dans la map. On veut du bain de sang là. Ok ça c'est pas mal. Il commence à prendre des dégâts. Attention ça va toucher. Ça va dash out du côté de notre ami Silas. Qui a perdu quand même quelques HP. Le Q-spell qui va pas toucher également. Attention à pas marcher dans l'île, attention! Oh là, on a raté! On a tout raté! Oh, il a bien fait de flasher! Oh putain, il avait tout raté! Il avait tout raté, le flash est pixel! Il lui permet d'esquiver le E qui aurait été synonyme de mort. Après, il a quand même il a gratté une ignite en vrai. Il a gratté une ignite. Oh, il a fait mal. J'avais pas vu que les dots c'était des ballons de basket. Oh, attention, Lolin! Avec l'ignite du côté de Salta! Qui prend très cher! Ça brûle! Et ça finit, tout ça pour ça! Mesdames et messieurs, c'est une victoire de la team rouge! Mesdames et messieurs, vu qu'on s'approche de 20h, on va faire les deux 4v4, donc c'est ce que vous préférez. Bon, je suis en train de meubler parce qu'apparemment quelqu'un joue sur un autocuiseur. Je vous laisse deviner dans le chat quel pseudo. Moi j'ai ma petite idée sur qui est sur un autocuiseur. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui s'appelle Dylan. Mais après, c'est moi, vous savez, j'ai rien contre les Dylan. Et vous savez que j'adore les Dylan. J'ai un très bon pote à moi qui connaît une connaissance de travail qui s'appelle Dylan. Donc, je ne suis pas raciste. Mais à deux doigts. Ah non, c'était Aram Touchal, mesdames et messieurs. J'ai un très bon PC, nous dit Dylan. Pour jouer à Fortnite. Non, je rigole. Ok, les amis, c'était Aram Touchal, je vais donc enlever des points. J'avais eu un problème de type le bug client. Je viens de me rappeler qu'il y avait plus de chances que ça soit la faute de Riot Games que de mes viewers. Et donc, je n'enlèverai pas de points. J'avais oublié qu'on était sur le client LOL. Rapide calcul, Lilia MF 7 Pike. Pas mal, mais c'est pas transcendant. Contre Zoé, Nico, Viego, Moaokai. Wow, Moaokai est parti tout droit. Non mais là, c'est pas la faute du client là, Aram Touchal là. Il est parti ?
Qu'est-ce que c'est que ce membre de la team jaune? Bah la team jaune, vous démerdez à 3, hein, c'est pas mon problème. Ah, la team jaune a déjà du retard de 30 points. Et l'autre a décidé qu'il allait avoir une connexion internet pétée au sol. Oh, attention, attention. Mais putain. Mokai qui essaie de tanker toute l'équipe, c'est compliqué, ils ont pris un trail alors que l'autre n'était pas encore connecté. Aram tout chale qui n'a absolument pas internet. C'est pour ça qu'il fait que des arames en fait. Là, la team jaune, vous me faites peur. Hein. Ne faites pas un 4 pour 0, hein, la team jaune. Hein. Ne déconnez pas, les mecs. Hein. Bah, ok, il va devoir tanker toute l'équipe. Oh là là, le POC de MF est insupportable. J'ai envie de péter un câble. Oh, la Nico qui proc le heal. Oh, c'est smart. Avec son passif. Il est où? Attends, mais il est reparti, lui. Non, mais là, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, par contre, là. Ok, je le remplace. Je vais faire une dinguerie, poussez-vous. Je m'en occupe. On a perdu Nico, c'est pas grave, les mecs. Hop là. Ah. Attendez, il s'est reconnecté. Bon frérot, frérot, t'es en train de niquer mon stream là, t'es au courant quand même. Là on a un gros problème parce que j'ai même pas vu la mort de Dylan. Qui s'est fait choper en 3v3, je pense qu'il s'est pris un petit truc de pike, je sais pas. Et là, là ça devient très compliqué pour la team jaune, hein. Ils ont perdu un des meilleurs éléments. Je sais pas comment il est mort Dylan. Non mais là c'est bon là, enfin... Non mais là c'est pas possible là. Bon on s'arrête là, on s'arrête là les mecs. Viego ne joue pas, c'est pas grave. On va faire ce qui s'est passé, mais on va enlever Viego de l'équation. Du coup ce que ça donne c'est 90 points pour la team rouge et 30 points pour la team jaune. Voilà, et on en refait un deuxième. Item Aram chez nous, au secours. Oh non, je vais devoir punir. Ah là là, MF a pris un item Aram. Les points moins déjà pour la team rouge, moins 10 points. 10 points l'item Aram. C'est bien parti pour les jaunes du coup. Elle est même pas là, elle fait quoi? Elle essaie de revenir à la base? Elle est en train de lui soutourer des informations? S'il te plaît le castor, rends-moi mon item! C'est pas grave, hein, montre-toi, hein, t'es grillé de toute façon. Elle a pris quoi? Oh là là, c'est quoi ça? C'est broken? Ça a l'air broken. Les mecs, ça a l'air broken, c'est peut-être plus que moins 10. Hein. Ça a l'air broken, je mets moins 20. Ok. Bon, mesdames et messieurs, je rappelle le principe, un 4v4 en bonne et due forme. Interdiction de mourir, sinon vous pouvez pas respawn. Attention à ne jamais marcher dans l'île également. Donc là on a affaire à une team triple POC avec Vex, Vel'Koz et Caitlyn contre une team très all-in avec l'ulti de Malphite bien sûr qui va combiner avec l'ulti de Vex, l'ulti de Séraphine et l'ulti de MF par dessus. Donc au niveau de ce qui va se passer, alors également on a un Lee Sin qui sert à pousser dans le heal pour en fait pousser quelqu'un dans un heal équivaut à lui enlever 30 points, ce qui vaut un kill. C'est à dire que chaque kick de Lee Sin dans un heal sera équivalent à un kill pour l'équipe jaune. Leur compo elle est parfaite en fait. Ils vont tenir le POC et ensuite ils vont all-in, ça va faire très très mal du côté de la team jaune. Ce qu'il faudrait c'est vraiment les out POC, c'est-à-dire POC tellement qu'ils n'arrivent pas à tenir. Avec un Bocus Pell là qui a été touché de la part de Caitlyn, qui a quand même perdu pas mal d'HP et qui n'a... Oh non, elle a pas joué avec des potions. C'est terrible. C'est terrible. Séraphine qui va faire évidemment que des Z maxés. Bon évidemment du côté de la team rouge on attend le niveau 6. Encore un Q-Spell, ça touche, ça touche. C'est bien la Caitlyn, ça... Oh, Vex qui récupère un proc d'Dark Harvest. Attention le Q-Spell de Vel'Koz par dessus, le Q de Lee Sin, on s'attendait pas à Lee Sin en tant que poker mais ce Lee Sin touche des bons Q et la team rouge se fait un petit peu malmener mesdames et messieurs. Dans ce début de game ils attendent tous leur niveau 6 mais le prix à payer est assez élevé. Encore. Il va quand même pas y aller. Voilà, ça me paraissait YOLO là. Et là le truc c'est que oh là là, encore un beau Q-Spell couché de la part de Waza. Et la team jaune c'est pas si mal hein. Parce que là plus les rouges attendent, plus ils vont se faire poke et plus ils vont se faire poke, plus leur all-in ne va pas passer. J'ai déjà envie de vous dire que la Vex peut limite déjà ne plus aller dans les fights. D'après sa source d'HP. Bah, j'avoue que les rouges... Oh, la boule de neige qui touche. Un one shot. Malphite qui enchaîne directement pour aller sur la Caitlyn de l'autre côté. C'est très compliqué de la part de Lee Sin qui a utilisé son kick. Malphite qui s'est fait péter la gueule. Ligue deck qui va terminer. C'est à 3 pour 2 mesdames et messieurs. Et la MF est très mal placée. Attention de ne pas marcher dans l'île. Le flash out de la part de la MF. Le bilan, c'est parti tellement vite. C'est parti tellement vite. Ok, ça poke un petit peu. Ok, ça a bien esquivé de la part des MF. Les grosses couilles. Oh, les grosses couilles de la MF là, pour le coup. Fallait bien sidestep et mettre un bon poke sur Vel'Koz. Elle vient de remettre les pendules à l'heure là. Parce que là, Vel'Koz vient de prendre une petite tarte dans la gueule. Merci Anonyme pour les 5 mois de contrat. Merci beaucoup, installe-toi. Merci Aïe pour les 17 mois également. Oh, le Q-Spell. Ok,
qui a été touché de la part du Lee Sin. Et c'est un one shot de l'AMF. Et là, là on est dans un gros problème là. Là on est dans un gros problème du côté de la team rouge. Que peut faire Tiroir à pisse à part se pisser dessus? Ah là je pense que... je pense que c'est compliqué là. Oula. Ah GG, GG, GG. C'est quoi du coup le résultat? C'est un 4 pour 1? 4 pour 1 mesdames et messieurs, ce qui veut dire 120 points pour la team jaune et 30 points pour la team rouge. 268 à 247. Un prochain jeu, alors c'est quoi là d'après le channel? On part sur les jeux Happy Flea là ou pas? Karting, épervier, marbles, croconquête. Oh putain la croconquête. Avant la croconquête apparemment il y a des petites nouveautés de Pifli. Pifli qui nous enchaîne les petites nouveautés hein. Vraiment Pifli c'est le régaleur. Une petite roue avant de commencer. Ouais une petite roue avant de commencer, vous avez raison. L'affichage directement à votre droite et la grande roue. Attention qu'est-ce qu'elle va nous annoncer. Il y a des banqueroutes, il y a des 100 points pour les teams, il y a des dingueries, il y a des inversions de score. Il y a des 50 points pour les rouges, il y a des 50 points pour les jaunes. Oh putain. Oh putain. Mesdames et messieurs, 50. Au pire, on commence par un Marbles. Vas-y, on commence par le Marbles. Alors, pour le Marbles, c'est très simple dans le chat. Pour participer, c'est clairement un jeu de billes classique. Vous avez juste besoin de mettre l'emote. Vous n'avez pas besoin de mettre votre pseudo. Vous mettez l'emote de votre équipe et vous rejoignez en tant que teammate, tout simplement. C'est parti, il faut jouer. Non, tout est automatique. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça que les gens participent moins. Car c'est un aléatoire pur. Et pour l'instant, c'est moi Thomas. Ah non, c'est pas lui, pardon. C'est Bochiv qui prend la tête de la team jaune. Qui va très certainement, peut-être, s'il continue comme ça. Alors là, sachez qu'il y a plein de personnes qui vont tomber dans le vide. Hein. Là, il y a sûrement votre pseudo qui est en train de partir. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Bochiv toujours premier. Bochiv toujours premier. Bochiv va-t-il prendre le cut? Non, pas de cut pour Bochiv. Attention, est-ce que quelqu'un va prendre un cut? Un cut qui a été trouvé de la part de Sukas qui va récupérer la première position sur ce cut. C'est très bien joué. Et c'est certainement lui qui va devoir valider les membres de la team rouge. Ah non, c'est Clemlac. Clemlac, premier rouge. Beaucoup d'avance. Hein. Oh la vache, le jaune. Le deuxième jaune qui va valider, c'est... Oh merde, il y a des rouges qui sont passés. C'est Naël. Ok, donc là, le premier rouge va valider les points. Naël. Naël, il faut valider pour ton équipe. Oh là là, Naël, t'es tellement lent. Quoique, les rouges mettent beaucoup de temps également. Ok, Naël n'est pas si loin. Et les rouges qui viennent de sortir en tête. Les jaunes vont-ils valider? Oui. Les jaunes qui récompensent, qui sont récompensés avec Naël, qui ont fait leur travail. Et c'est les jaunes, littéralement, qui... Non, ils sont pas la tête, mais... C'est très équilibré, hein. C'est très équilibré pour l'instant. On passe dans la machine à laver, on évite le Demolos Gold bien sûr. Attention à ne plus faire des dégâts, et c'est en peur ce qui arrive aux 4 jaunes. 4 jaunes sont en tête en haut à droite, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Je rappelle les amis, c'est 30 points par victoire, moins 50 pour le dernier. Hein. Ici, on fait mal au dernier. Alors, on va partir au moment du rush final, le coup de fusil. Le coup de fusil, boum! Et c'est parti, 1-1, 2-1. 2-2, 3-2, 4-2, 5-3, 6-3, 7-3, 7-4, 8-4, 7-5, 10-5. Les jaunes en tête. Les jaunes en tête. Beaucoup du lead du côté de la team jaune. Ils ont littéralement les 9 premières positions. Et là maintenant, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Il faut réussir à tomber au centre et pas sur les côtés qui nous font remonter. C'est assez compliqué. Ah là là. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Oh, le rouge! C'est quoi cette dinguerie? Il a tenté une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Attention, on va pas rater le premier parce que ça peut partir en ligne droite comme ça. Attention, 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 Ediakin. Attention, oh là 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 là. On a du monde, on a du monde, on a Bou, 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 on a Bou qui valide les points pour la team jaune. Nova. Ok. Tu vas le pousser? Oh non, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Non, c'est la team rouge qui perd. Oh, il s'est pris le bump. Il s'est pris le bump. Il s'est pris le bump. Non, c'est pas possible. C'est le plus grand rush qu'on a jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. C'est scripté. Je vous jure qu'on n'a jamais eu ça. On a toujours eu des games moins belles. Hein. Oh. Attends, mais là, c'est terrible parce que 30 points pour la team jaune et moins 50 pour la team rouge. Va falloir se bouger le cul sur le reste. On va faire un petit karting qui a apparemment eu des améliorations. On a deux modes. Un easy, un hard. On va d'abord commencer par le easy pour voir un peu ce que ça donne. Puis le hard juste après. Oh, les portails, ils sont magnifiques. Par contre, vous avez oublié d'avancer, les mecs. Ah, ok. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le karting jaune contre rouge. Les jaunes en tête. Pour l'instant, les rouges font n'importe quoi, comme d'habitude. Après des années, tout le monde fait la même chose. Les rouges sont carrément en sens inverse. Donc, je rappelle qu'il faut vous mettre à la place de votre véhicule. Exemple, là, si on est rouge, il faut écrire tout droit. Donc là, il faut écrire Z. Il faut écrire Z, il faut surtout pas écrire droite du côté des rouges. Le shortcut qui a été pris du côté de la team jaune.
Il a été pris avec excellence. Mais le rouge c'est encore mieux. Non mais c'est jamais vu par contre là. Je vais péter mon crâne là, j'ai jamais vu ça. Les rouges qui n'arrivent pas à prendre le lead aussi, les rouges qui vont prendre le lead. Alors est-ce qu'on peut prendre le zap dans l'autre sens? J'ai très peur là. Ok non c'est bon. Parce que là c'était fini là. Si on pouvait prendre le zap dans l'autre sens c'était terminé hein. Pousser le gros cul des jaunes. Oh les jaunes! Attaque frontale! Ils cherchent l'accident plus que la victoire. Ah ça se voit que t'as changé la map, j'avais pas vu, mais effectivement le virage il est plus simple là. Pour l'instant c'est extrêmement serré hein. Les jaunes qui ont juste qu'une envie, c'est de péter la gueule rouge en fait. Il y a même plus d'histoire de vouloir gagner. Attention, le premier lap qui a été remporté pour la team rouge est un virage extrêmement bien mené du côté de la team rouge, qui sont actuellement avec beaucoup d'avance. Du côté de la team jaune, on essaie de reculer. Il faut écrire gauche du côté de la team rouge, la team jaune pardon. Voilà, un peu de droite maintenant, parce que sinon vous allez aller à gauche trop. Voilà, j'en étais sûr comme d'habitude. Est-ce que vous avez de la latence? Ok, longez avec de la... Les jaunes, longez avec de l'avance. Juste faites Z, longez le bord, on s'en bat les couilles. Longez le bord avec Z, longez le bord. Voilà, 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 longez, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Oh, le cut! Non, c'est pas vrai, vous allez pas le faire. Vous allez pas partir tout droit. Ah bah non. Attends, peut-être que les rouges tentent le cut? Attends, mais là les mecs... Là on a affaire à une stratégie... Non, les rouges! Les rouges, ça a l'air super dur. Faut reculer les rouges. Oh merde. Non. Ah, ça hésite. Les rouges. Ok les rouges, les jaunes n'avancent pas, il faut prendre le cut, les rouges il faut prendre le cut. Il faut prendre le cut, il faut prendre le cut. Si vous prenez pas le cut c'est fini les rouges. Ah là là c'est terminé je pense. Le cut il est trop dur à prendre. Pifi c'est quoi ce cut impossible là? Il faut faire un tout petit peu de droite et avancer. Oui c'est bien, avancer maintenant. Non patron, non. Oh. Ah! Alors apparemment, on peut le prendre dans les deux sens. C'est quoi cette hitbox, Pifli? Tu te fous de la gueule des joueurs, là? Ils vont péter leur crâne. Ah, c'est bon, ils l'ont pris. Ok, c'est bien pris, c'est bien pris. C'est bon, les jeunes, vous avez réussi. Les rouges sont en train de le prendre. Les rouges... Oh, les rouges, ils se font hitboxed. Oh, les rouges, ils sont en double TP. Ok. Ok, c'est le dernier tour, il est exceptionnel. Ça c'est le mode facile, j'ai hâte de voir le difficile. Non, les jaunes, vous allez pas le refaire. Oh putain, oh la chatte. Eh, là, pour le coup, la hitbox, elle vous a mis bien, les jaunes. Par contre, les jaunes, faites n'importe quoi, hein, c'est du jamais vu. Hein. Mais attention, attention au portail. Putain, les rouges qui sont en train de... Les jaunes qui vont essayer de terminer la gamme en sens inverse, hein, je vous le dis. Les jaunes sont en train de terminer en sens inverse. Les rouges qui doivent faire un peu de droite, si je m'abuse, ouais. Et les jaunes, droite aussi. Droite les jaunes, droite les jaunes. Mais putain. Bon, c'est terminé là. Je pense que c'est fini. C'est terminé. Oh bah les jaunes, oh, les jaunes. Ils se foutent de ma gueule. Les jaunes se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde. Oh, ils leur prennent dans bon sens. Non mais les rouges, y a plus qu'à aller tout droit les rouges. Non mais arrêtez d'être cons les rouges. Et victoire rouge. Victoire pour les rouges, 30 points. Et c'est parti. Mode hard. Oh putain, non mais t'es un malade. Ouais les mecs c'est open là. Non mais là c'est... c'est terminé mec. Y'a plus de game. Ok alors attendez, parce que c'est quoi ce bordel? Y'a un portail dans le bac? Attends mais je comprends rien. Attends mais déjà je comprends même pas la map. T'es obligé de prendre le portail, sinon t'es mort. Attends, mais les jaunes et les rouges sont littéralement... Les rouges ont poussé les jaunes dans le trou. Ok, mais attends, tout ce qui est la Ticroco versus tout ça, c'est du bullshit. C'est puant. C'est ça? C'est giga puant. Oh, les jaunes sont en train de le prendre, le portail. Hein. La map est trop belle. Hein. La map, t'as fait une dinguerie, Pifli. Hein. Allez, franchement, il nous faut d'autres maps, en fait. C'est trop bien, les maps, j'avais pas vu. Hein. Oh! Oh le virage rouge! Putain bah les jaunes ils sont dedans là par contre. Oh les jaunes ils sont pas si. Eh franchement c'est giga serré, les rouges sont aussi dedans. What the fuck? Oh non les rouges. Oh non. Non vous allez... Ok les jaunes n'arrivent pas trop à sortir. Les rouges tentent... Non les jaunes. Mais c'est pas possible. Eh les jaunes ils font tout pour péter les couilles aux rouges, c'est une dinguerie. Hein. Ils sont nés pour péter les couilles là. Oh les rouges! Les rouges ont réussi à sortir. Oh par contre là c'est vrai que c'est dur là. Là choper la ligne droite c'est pas facile. Attends, tu me dis pas qu'il y a deux tours. Oh putain, il y a deux tours en plus. Faites que du Z hein. Mais voilà les jaunes.
Voilà, full Z. On s'en bat les couilles. C'est full Z. Ah merde, c'est... Ça a stoppé là. Eh, encore une fois, ils pètent la couille. Et regardez, non mais c'est incroyable. Ils viennent de mettre... Les rouges viennent de mettre les jaunes parfaitement. Et ça se voit, les rouges, c'est des battants. Les jaunes, ils sont juste là pour péter les couilles aux rouges. Par contre, les jaunes sont très très bien là. Enfin, très très bien. Oh! Le portail en marche arrière, c'est vraiment la spécialité jaune. Hein. C'est une spécialité locale. Hein. Eux, ils ont jamais pris un portail dans le bon sens. Hein. Ils aiment trop prendre le portail en marche arrière. Par contre, les rouges, vous foutez de ma gueule là. Pourquoi vous avez accéléré là? Mais les rouges, vous foutez de ma gueule ou quoi? Voilà les rouges, voilà les rouges. Eh les rouges là, vous allez pas perdre là. Hein. Mais qu'est-ce qu'on regarde, chat? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est ça la vie en 2022? Oui les rouges, oui les rouges. Rentrez dans ce trou. Un peu de dé, un peu de dé les rouges. Voilà. Les jaunes, un peu de dé également. Voilà, voilà les jaunes. C'est tout droit les jaunes, c'est tout droit. C'est tout droit les jaunes. Les rouges sont... Oh les rouges, ils sont directement derrière. En embuscade. Il faut passer le mont Castille. Il faut passer le mont Castille. Passez-moi ce mont Castille. Oh les rouges qui prennent la tête. Les rouges qui prennent la tête. Et qui vont bloquer les jaunes. Pour la première fois, les rouges vont bloquer les jaunes. Oh, ça leur pète bien les couilles aux jaunes. Putain, les rouges sont dégoûtés, là. Les jaunes sont dégoûtés. Ils sont en train de pousser le véhicule. Ils sont en train de l'enculer contre un mur. Les rouges se font enculer contre une barrière. Ça devient pornographique, cette course. C'est une course porno. Oh, les rouges sont en train d'enculer les jaunes sur une barrière. On enchaîne, car ici, il n'y a pas de position. Chacun prend sa part. Non, c'est n'importe quoi, les mecs. Arrêtez de vous battre, hein, c'est du jamais vu. C'est jaune qui gagne, je pense. C'est fini, je pense, c'est fini, je pense. À moins d'un miracle, à moins d'une dinguerie. À moins d'une dinguerie, c'est terminé. À moins que les rouges fassent une énorme dinguerie. La victoire. Ah, c'est validé. Ok. Bizarre lightbox, pifli, mais on va rien dire. La victoire pour les jaunes. On arrête. On passe à la masterclass. Je vous laisse tous rejoindre. Je rappelle que là, actuellement, les jaunes ont une puissance mondiale plus élevée que les rouges. C'est pour ça que c'est très très important, c'est pour ça que c'est le seul jeu où les viveurs de l'ombre sortent de l'ombre pour mettre leur petite puissance. Et je ne vais pas redire les termes, mais il y a deux semaines, il y a une guerre qui s'est jouée à une personne. C'est parti. Ok. Espagne rouge contre 11, c'est quoi? République tchèque jaune. On va commencer, c'est aux jaunes de commencer. Il vous suffit d'écrire le nom du pays. Vous attaquez avec l'Allemagne? Parce que là, ça peut vous faire perdre un tour. Dû attendre un peu de scale. Ouais, ouais, je suis un peu d'accord. Oh là là, c'est très divisé. Ça va partir sur l'Allemagne. Oh la vache. Bah là, à tout moment, vous l'avez pas. On va voir. Attention, est-ce que l'Allemagne est jaune après ce premier tour de jeu? Un coup de poker directement. Ah, vous avez... Finalement, c'était l'Autriche. Ah ouais, the fuck, j'ai pas compris. À la toute dernière seconde, il y a eu plus de votes pour l'Autriche que pour l'Allemagne. Ça m'est jamais arrivé, ça, en 4 ans. Vous avez, sur les 352, vous avez fait 226 de puissance. Malheureusement, l'Autriche s'est très très peu défendue. Et donc, la puissance de votre pays, bon, vous l'avez, c'est bien, mais vous auriez préféré que l'Autriche se défende avec 200. Comme ça, ça aurait fait 226 plus 200, ça vous aurait fait 446. Enfin, 426. Malheureusement, ça va. Du côté des rouges, j'imagine que vous avez déjà réfléchi. Ça veut récupérer la France. C'est une bonne chose puisque c'est la moyenne, c'est un peu la moitié de vous. Donc, ça peut. Bon, ça peut ne pas passer, hein, bien sûr. Hein, si jamais vous faites moins de 143 qui font 143, on va voir le résultat, mesdames et messieurs. Est-ce que la France est rouge? Oh! Je vais laisser au jaune. La suite des opérations, je rappelle, vous pouvez attaquer que les pays aux frontières. Allemagne. Allemagne. Attention, parce que là, c'est un gros poisson. Ça va être très, très difficile. Flop. Flop. Capitaine... Énorme flop du côté de la team jaune. 372, vous avez fait que 57. Et en plus, l'Allemagne a extrêmement bien défendu. Allez, la team rouge, c'est à vous. On part au nord, carrément viser la Royaume-Uni. Est-ce que ça passe? Si ça passe, c'est vraiment un... très très bien parti pour les rouges. Hein. Ah. Ah, c'est marrant parce que vous avez envoyé une attaque très faible. Et même la défense n'est pas si élevée du côté du Royaume-Uni. On enchaîne, comme si de rien n'était. Alors, les jaunes, ça retente l'Allemagne. Non, il y a une Slovaquie qui est en train de se dessiner. C'est où, Slovaquie? 15. Derrière, dans le bac. Ok. Ils veulent pré-shot le... Oh, ils l'ont eu. Ils l'ont eu.
Alors, 241 d'attaque, 81 de défense. Globalement, ça fait un 322. C'est pas insane, c'est pas mal, mais ça vous sécurise un troisième pays, c'est important. Je vais laisser au rouge le choix démocratique du prochain pays attaqué. Alors, on se dirigerait apparemment 4 votes pour la Belgique, 3 pour le Portugal. En fait, ils vont viser la Belgique pour essayer d'avoir un plus gros chiffre que la France pour être sûr d'avoir le Royaume-Uni, je pense. Mais la Belgique n'est pas gratuite. Vous connaissez pas les Belges, vous, c'est ça votre problème. Les Belges ne se laissent pas faire, mesdames et messieurs, ils se défendent comme des lions. Et là, ça commence à être le lead pour les jaunes. Un point d'avance pour les jaunes là-dessus. Allemagne et Pologne qui se battent. Alors Allemagne c'est ici, Pologne c'est ici. On récupère le 62 gratuitement ou est-ce que on va chercher l'Allemagne de manière offensive? Je pense que c'est la Pologne qui va gagner. Bon, j'imagine que c'est free LP, hein. 412 contre 62. Alors c'est free LP mais le pays est faible. Le pays est faible, 228, c'est un des plus petits, c'est le plus petit pays. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de poker du côté de la France là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de poker Allemagne? Non, il n'y a pas de coup de poker Allemagne. OK. Coup de poker Belgique plutôt. On retente la Belgique. Bon, ça sera une Belgique. Et la Belgique a... Oh là, la Belgique, ça rend... Elle est belge, vous êtes vraiment... Elle est belge. Ah, je vais rien dire sur les Belges, mais... Juste pour péter les couilles, vous avez mis personne en défense. Comme ça, ils ont pas un gros pays. Alors que la France, ils ont tout donné, genre. Et attention à la team jaune, parce que j'ai l'impression que la team jaune va commencer à partir derrière. Ah non, ça veut tenter l'énorme Allemagne. Oh putain. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Est-ce qu'ils vont l'avoir? Et non! Ils ont mis toute leur attaque. Hein. La République tchèque a attaqué avec 381 de leur puissance. Malheureusement, l'Allemagne a été très faible sur la défense. Ça va partir sur Royaume-Uni ou Suisse. Oh, j'avoue, Suisse. Oh, j'aimais bien le call Suisse. Donc, il va être attaqué avec la France, si je ne m'abuse. Oh, quoique, la Suisse. La Suisse passe devant. La Suisse. Attention, c'est chaud. Hein, mais vous pouvez avoir une Suisse de zinzin. Vous pouvez aussi ne rien avoir du tout. Ok. C'est pas si gros. Ah oui, vous avez... l'attaque de la France est faible. La Suisse, c'était pas mal, franchement. Après, en vrai, ça reste un gros pays quand même. Je rappelle, c'est le premier à 10 pays. Actuellement, 4 pays jaunes. 5 pays jaunes contre 4 pays rouges. La team jaune, ça part sur un Danemark, mesdames et messieurs. Oh ! Récupéré ! Ah, très mauvaise défense du Danemark, malheureusement. Ça aurait pu être un pays de zinzin. Vous aviez mis 400 de votre puissance, les jaunes, c'était pixel. Et c'est vrai que là, ils sont en train de prendre le nord. Attention du côté des rouges parce qu'il faut peut-être pas laisser le top. Sinon ça va faire beaucoup. Je vais laisser les rouges décider de leur sort. Royaume-Uni. Royaume-Uni et Italie qui se battent. Attention mesdames et messieurs, est-ce que le Royaume-Uni est rouge? Oh, il est big, c'est pas un flop. C'est pas un flop. Top, top pays mesdames et messieurs, top pays. Royaume-Uni top pays, 552 de puissance. Ouais, je vous laisse les jaunes, je sais pas. Ou alors on part autre part. Est-ce qu'on tenterait pas... Ouais, non, je sais pas. Ou en bas, tranquille, genre. Un Italie, ou alors on... Ouais, là, c'est pas fou non plus. Ou alors vous le récupérez, hein. Ouais, vous le récupérez quand même. Le truc, c'est que ça peut être un pays de merde, quoi, pour vous. Hein. Imaginez, vous faites une attaque de faible. Eh ouais. Je l'avais call. Aïe, aïe, aïe. Je l'avais call. Ce qui fait qu'avec ce 86, vous ne pouvez plus attaquer là. Eux peuvent l'attaquer et ensuite vous attaquer. Les rouges, c'est à vous. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai rien dit parce que je voulais pas spoil, mais les rouges n'ont pas hésité une seule seconde. Attention! Ça passe. C'est big. C'est big. Bon, c'est pas si big parce que la Norvège a très mal défendu. Heureusement, sinon c'était fin de game. Malheureusement, là, je vois la confrontation, elle me fait peur, là. C'est à vous, mesdames et messieurs. 30 secondes, les jaunes. Croatie. Croatie, c'est où? Excusez-moi, 13. Et Hongrie également, j'imagine que c'est 16. Exactement. Ça hésite entre les deux. Bon, c'est un peu la même, c'est un peu du pari au même. Peut-être mieux ici parce que ça permet de prendre l'Italie, ouais. Alors que là, vous prenez rien d'autre. Là, potentiellement, vous avez un meilleur pays pour prendre l'Italie. Donc c'est bien joué la Croatie, c'est plus intelligent. Ah merde. Ah ! Alors là, c'est un tour perdu. Et en plus, on va se faire péter le cul par derrière. Ça fait pas régaler, quoi. Quoi ? Ils attaquent pas, ils veulent prendre la Finlande ? Par le haut ? Il y a un call Finlande qui a dû être fait sur Discord. Je ne sais pas, c'est malin, mais... Il y a un call Italie, un call Suède également. Il y a des calls dans tous les sens. Hein. Ce sera la Finlande, mesdames et messieurs. 466 contre 200, ça devrait passer, je pense. Ça passe. Avec un Oh, là, les mecs, la défense de la Finlande, on en parle ou pas? On a fait acte de présence. Pas plus. Putain, qu'est-ce que vous allez faire, les jaunes? Je sais pas, hein, il vous reste 25 secondes à voter. Ça retente la Croatie, mais normal. Moi, j'aurais fait pareil, en vrai. Non, Lituanie. Attends, ça part autre part, là. Ça veut bloquer la frontière ici. Ah oui. Oh putain, ils hésitent entre deux trucs. Soit bloquer la frontière. Ici, c'est pas mal en vrai, hein, de choper le 260. Hein. What the fuck?
Croatie. Ils l'ont. Oh merde, le pays est pas très élevé. C'est pas mieux pour prendre l'Italie du coup. Aïe 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 aïe, les jets n'ont pas été assez bons. L'Istanbul, quoi? Italie. Ils veulent prendre l'Italie, les rouges. S'ils prennent l'Italie, c'est peut-être une fin de game. Hein. Attention. 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 Je vous laisse voter les jaunes. Belgique. Vous vous rendez compte de cette bataille? Vous vous rendez compte de la puissance de cette Allemagne-Belgique? 558 contre 508. Attention, mesdames et messieurs! La Belgique est jaune! Alors là, c'est un grand moment dans la guerre jaune-rouge. Ok, oula, il y a eu un call sur Discord ou quoi là? Pourquoi il y a autant de Belgique un petit peu, Suède un petit peu dans le chat? J'imagine qu'il y a eu un call quelque part sur Discord. Car tout le monde est d'accord pour dire qu'on va péter la gueule à la Croatie! Est-ce que la Croatie jaune va pouvoir tenir cette énorme attaque de l'Italie? Réponse maintenant. Là on a un problème là. On les jette de zinzin genre 500 croissants. Là il y a eu une grande guerre là. Là il y a eu une grande bataille là. Ah les jaunes je sais pas quoi faire. Les jaunes je sais pas quoi faire. Vous attaquez la France? Avec quoi du coup? L'Allemagne? Mon petit cœur ne va pas tenir là. Là il peut y avoir un bain de sang. Il peut y avoir une chute d'un pays si jamais ça rate. Ça peut être la fin du jeu là. L'Allemagne est morte. L'Allemagne vient de... Oh là 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 là. L'Allemagne vient de perdre 317 de puissance. L'Allemagne vient de se faire exterminer par la France. Ils ont perdu sur cette attaque 317 de puissance. Les rouges ont combien de pays? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vous reste encore une chance avec la Belgique. Autriche. Oh putain, ils attaquent comme des bourrins. Ils attaquent comme des porcs. Après, il y a un monde où vous défendez. Hein. En vrai, ils ont que deux fois votre puissance. Hein. Il faut tenir. Allez les jaunes. C'est du pire en pire. Ok, c'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé. On a déjà eu des comebacks. Pas des aussi gros, certes, mais c'est déjà existé. Je vous laisse faire. Bien sûr, ça va tenter un Belgique-France. C'est la guerre la plus importante de ce soir, mesdames et messieurs. C'est le moment le plus clutch que nous avons jamais rencontré. La Belgique peut-elle sortir la France? La France sera-t-elle jaune? 106 de puissance en moins pour la Belgique. C'est pas terminé, mais on s'approche de la fin. Les rouges, c'est à vous. Portugal, bon, ça sécurise la 10e place. Ça veut même pas prendre de risques. Ok, il n'y aura pas de beau jeu, mesdames et messieurs. C'est un Portugal qui va être récupéré. Sans nul doute, c'est récupéré. C'est à vous. Autriche. Autriche. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est... Vous attaquez le plus gros pays... Mais putain, mais je n'ai jamais vu ça. Mais ça ne peut pas passer, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je pense pas que, mathématiquement... On puisse faire mieux en fait. Non mais les mecs là c'est pas possible là. Je n'ai jamais vu ça là. Je n'ai jamais vu ça là. Ok les rouges je vous laisse un petit temps de réflexion quand même. Ah oh, putain. Bosnie, Autriche. Autriche. Non mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sûr du call? Mais pourquoi vouloir récupérer? Mais what the fuck? Mais c'est pas le bon call. Mais putain de merde, 856 contre 1000. Ça va pas quand même repartir dans l'autre sens? Ah bah non. Oh. Ils ont perdu, vous avez perdu que très peu de puissance. Vous vous rendez compte que là, les jaunes viennent de gagner avec 78, là. Sur 1000, hein. Les jaunes, c'est à vous. Italie, ils veulent pulvériser l'Italie. C'est pas possible! C'est trop! Oh là là, 1027. Non mais là, c'est une catastrophe, là. C'est quoi ces putains de chiffres? C'est une dinguerie. Hein. Italie, ça va aller les chercher. Ça va aller les chercher l'Italie avec la Croatie. Oh, what the fuck! Les rouges viennent de récupérer l'Italie. Les jaunes, c'est à vous. Non mais vous allez pas réattaquer l'Italie quand même. Non mais c'est pas possible.
Attention! C'est de pire en pire. Même Pifli, il a pas anticipé les 4 chiffres en fait. Ils ont encore fait 1000. Non mais les mecs, les attaques de l'Autriche, elles sont à 1000 de manière générale. C'est la moyenne de l'attaque d'une Autriche en fait. Bah les rouges, c'est re la merde. Une seconde fois d'affilée. Du coup, vous attaquez l'Autriche? Non mais là, j'ai trop peur là. Ah! On se rapproche de la fin là. C'est à vous les jaunes. La France! Ils veulent tuer avant qu'ils attaquent. Attention, est-ce que la France peut tenir? Ils ont quasiment deux fois la puissance de la France. Mais mec, en fait, la moyenne jaune de base, elle est à 1000, en fait. Donc là, on arrive au moment le plus dur du jeu. Car si les rouges ne prennent pas un pays, c'est terminé. 30 secondes pour l'histoire. 30 putains de secondes. C'est tellement smart. C'est tellement smart. Je l'avais oublié. Je l'avais putain d'oublié. Les rouges, ils ont encore un atout dans leur manche. Imagine, ils perdent. Bon, en vrai, c'est chaud. En vrai, c'est bien. Vous savez qu'en plus, là, ils prennent ça, ils peuvent snowball et revenir par là et faire une dinguerie, quoi. Là, je suis obligé d'annoncer la victoire pour la team jaune. Victoire pour les jaunes, 100 puntos. Et là, là, ça devient compliqué, là. C'est trop marrant, c'est la première guerre où il y a des pays isolés, genre, on n'a jamais vu ça. Cette guerre a pris des proportions qu'on n'a jamais vues. Un comeback pareil, j'en ai jamais vu. Faut se reprendre de nos émotions, là. Avec un petit épervier qui a été modifié. Je rappelle qu'il a eu deux up, l'épervier. Pendant que vous rejoignez, je vais lancer une petite roue. Oh, le banqueroute ! Le banqueroute ! Non, mais me dites pas 100 points pour les jaunes. 50 points pour les rouges. Ok. Ok, ça fait du bien au rouge, ça fait du bien au rouge. Honnêtement, je pense qu'ils en avaient clairement besoin, donc 50 points pour les rouges, on va pas dire non. 277 à 500, avant de lancer l'épervier qui a été modifié. Une fois le jeu lancé, vous devrez choisir une position entre 1 et 9 dans le chat, et un angle avec GMD. Ok les amis, c'est parti. Oh, je suis tout petit. Je rappelle que plus je mange des gens... Nouveau. Ah oui, d'accord. Ok, très bien, les mecs. Ok, j'aime votre... Par contre, pourquoi moi, je peux... Attends, mais tu te fous de ma gueule, Pifli? Pourquoi je peux sortir du terrain, moi? Ok, on va dire... Ok, les mecs, je sais pas si vous voyez. Ne spammez pas, hein, si vous êtes vu passer. Ok, il vous reste 17 secondes pour participer. Angel qui vient de me passer devant, je vais péter mon crâne. Le maître serein, il a fait... Maître serein, il est parti en ligne droite. Et il y a encore des gens qui font des lignes droites. Hein. Et si t'écris 1 et que t'écris rien, est-ce que ça va tout droit ou pas, Pifli? Ou si t'écris rien et que ça avance pas? Ok, deuxième. Oui, si t'écris 1 tout seul, tu vas tout droit. Ok, de base, ça va tout droit. Bien joué, bien joué. Oh, Clem, il nous a fait une diagonale de zinzin. Oh, Docteur Biboul! Oh, mais vas-y, c'est quoi ce pseudo, mec? Oh, les diagonales de zinzin, là. Au final, ceux qui font diagonale, j'ai juste à rester au milieu. Regarde, Louis Cesse. Regardez, moi, je reste au milieu, en fait. Vous me prenez pour qui avec vos diagonales, là? Kevix, là, 13. À faire des TikTok. Mais oh, là. Hop là, on va manger, là. Oh, la vache, je suis tellement big. Là, par contre, je commence à devenir vraiment gros, là. Je me suis bien nourri, là. Dernier. Il reste 59 joueurs. Il y en a plein qui participent pas. Enfin, qui ont oublié de mettre... Dernier, ceux qui passent vous donnent des points à leur équipe. Oh, Kenny, vas-y. Eh, va faire du Fall Guys, là. pas moi, Dinosaure, ça dégage. Redou, va offrir des subs. Idan, Bulbizarre, ça dégage. Docteur Meboul, pas deux fois. Paprika, ça dégage. Dragon, ça dégage. Sky, ça dégage. Lord, ça dégage. Loup-garou, ça dégage. Hop là, y'a plus rien qui passe, les potes. Y'a plus rien qui passe. Ah! Il reste combien? 35 joueurs? Ah mais là vous êtes mort là. Là je vous attends au tournant là. Allez Lucas ça dégage, Corentin c'est roi des poulpes. Il y aura pas de poulpe ici mon pote. Vas-y je vais laisser là, je vais manger ces deux là. Ça c'est mangé. Ça c'est mangé. Mesdames et messieurs, la victoire pour la team rouge alors qu'ils étaient en sous-nombre. On va passer au prochain jeu.
sous vos yeux ébahis un nouveau standard, le fameux Gartic Phone. Alors, comment ça marche? Vous avez vu, j'ai placé ma caméra déjà pixel et tout, j'ai déjà ma scène. Le chat, vous êtes là, bon, vous êtes très très moche comme d'habitude, mais on a l'habitude, donc pas d'inquiétude. Très simple, je dois dessiner un truc. Dès que vous trouvez le bon nom dans le chat, ça vous affiche à l'écran. Vous allez être affiché à l'écran et moi je récupère votre couleur et je vous mets des points pour l'équipe de votre couleur. C'est un kiff pour tout le monde, ça fait trop plaisir qu'on l'ait retrouvé alors que c'est un jeu pas à nous. C'est parti. 20 points pour le trouver dans le chat, ça sert à rien de mettre les émotes de chaque couleur par contre. Vous avez juste à écrire le bon nom. Ok, 20 points mesdames et messieurs. Honnêtement, c'est déjà pixel là. Et c'est trouvé! C'est trouvé de la part de Sitam. Et Sitam est team rouge. 20 points pour les rouges. On enchaîne. Les mecs, c'est des dingueries. Je le mets à 50 points. Oh le monstre! Comment il a fait sérieux? Non mais c'est une dinguerie mec, il a mis le A et tout hein. Oh Zugipo mec! Attention mesdames et messieurs, Zugipo et team. Oh putain les teams rouges. 50 points pour la team rouge de la part de Zugipo mesdames et messieurs! Il était super dur en vrai. On enchaîne. Je le fais de manière originale. Je me fous de votre gueule, mais j'aime bien. Merde! C'était la gomme qui était en bas à gauche de l'écran, les mecs. Ah bah non, mais... Ah non, vous la voyez pas, la gomme. Ah ouais, non, je suis con. Mais putain, mais je suis trop con. Je vous explique le malaise. Non, mais attendez. Déjà, je vais donner des points. Ah, mais Aracharo, tu n'as pas de team. Aracharo, il faut que tu choisisses une équipe dans le chat. Je te laisse mettre les modes que tu préfères. Prends rouge, prends jaune. Aracharo, mesdames et messieurs, et team jaune. Team jaune. En gros, je m'amusais à dessiner ce qu'il y avait en bas à gauche. Donc, j'étais en train de dessiner la gomme. Enfin, le crayon et la gomme, en fait. J'étais en train de me foutre de votre gueule, tu vois. Mais vous foutez de ma gueule, hein. Non mais enfin, t'es insupportable. Bon, à qui j'enlève des points là? Bistou, allez, j'enlève des points à Bistou parce qu'il m'a pas laissé m'expliquer. Là, c'est qui perd des points là? C'est nouveau jeu, qui perd des points? Alors, qui perd des points? Bistou de la team jaune. Allez, les moins 10. On enchaîne. En vrai, celui-là, je suis obligé de le mettre à 40 points. Il est trop dur. Je suis même pas sûr de savoir ce que c'est. Je m'attends à ce que personne trouve. Hein. Attends, j'ai raté là, ma perspective là sur rien. C'était comme ça plutôt. C'est pas possible. Mais comment? Comment cet homme, Sudivan, à trouver copropriété, genre. Team rouge en plus, hein. Team rouge, mesdames et messieurs. Les team rouge qui remonte à cause de ce jeu de merde. Elle triche. Non, je pense juste que c'est... Oh, what the fuck, il y a un mot incroyable. 30 points. Alors si elle trouve ça, Sullivan, on va voir, là. Elle se vante, là, mais ça, elle va le trouver, ça. Les mecs, je ne suis pas sûr de ce que je fais, en fait. Bon, je vais... C'est ridicule, mais je vais le faire, tant pis. Les mecs, j'ai honte, vous allez m'insulter, mais ma grand-mère, en fait.
J'ai terminé. Mais comment on peut trouver copropriété et pas ça par contre? Non mais j'aimerais comprendre mon chat Twitch à un moment là. Comment on peut trouver copropriété et pas ça genre? Pourquoi il y a une canette? Non mais c'est pour ça que je dis que tu vas me permaban, Petzak. C'est la canette qui va poser problème. Vous allez vraiment vous énerver, mais j'avais pas mieux en fait. C'était Zébu. Mais enfin, franchement les mecs, j'ai tenté un truc, mais je sais. En fait, je sais pas à quoi ça. Je sais pas à quoi ça ressemble en fait. Ok, j'étais. En vrai, la canette, vous auriez pu trouver en vrai. Ça n'a rien à voir, rend les subs. Non mais attends, ça n'a rien à voir. Comment ça rend les subs déjà? Quel sub je dois donner déjà de base là avant... là j'ai déconné, ouais, j'ai déconné là. L'explication de la canette, bah il boit du coup, il a plus soif donc il a bu dans une canette quoi. Enfin en vrai c'était de la merde hein, mais... Oh vas-y celui-là il est pour 5 points celui-là. Non il est pour 10 points, il est trop facile. On peut parler d'autre chose que du Zébu s'il vous plaît? Merci. Dix puntos. J'en ferai pas plus hein. Oh Sneak Cook. Ça ressemble à une tulipe. Mais ta gueule en fait, mais bien sûr que ça ressemble à une tulipe. Enfin t'es ravagé ou quoi? Mais t'y connais en fleurs ou pas? Et pourquoi elle me parle alors les gens qui connaissent rien aux fleurs là? Team jaune 10 points. C'est pas une tulipe, ta gueule. 10 points aussi. Non 20, 15 points. Mon level c'est une dinguerie, hein, je vous le dis quand même, ceux qui avaient un doute. Oui c'est une dinguerie, oui on peut le dire, non mais tu peux le dire. On peut le dire que c'est une dinguerie, dites-le c'est une dinguerie. Parlez-moi franchement, parlez pas javanais, dites-moi Croco c'est une dinguerie quand tu dessines. Mais je sais, c'est... je le vois bien que je dessine. 3XY, bon par contre vos pseudos on en repassera. Team Rouge, les mecs je ne sais même pas ce que c'est. Faut que j'aille regarder sur internet. What? Quoi? Mais comment je peux dé... On est dans la merde. 50 points. C'était comment après? C'est pas un escargot. Là, il l'a trouvé, là. Clairon. Mec, je ne savais même pas ce que c'était. T'as Corentin, mec. Tu viens de tellement carry ton équipe. Je sais pas pour quelle équipe t'es, mais... Corentin de la team. Team jaune. Mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai le cancer du cul. Non. Il n'y aura pas de Pixel War aujourd'hui encore. Fait beaucoup de mauvaises nouvelles, ça. Vous voulez un trop bon game? Vas-y, on fait un trop bon game, vas-y. J'en fais un dernier et je fais un trop bon game après. Ok, je remets 50 points parce que ça n'a aucun sens. Là, je sais pas comment faire en fait. Les mecs, celui qui trouve, c'est du jamais vu dans l'histoire en fait. Parce que là, il y a deux problèmes en fait. Le problème 1, c'est de trouver l'animal. Et le problème 2, c'est de trouver ce qui un truc en plus quoi. Après, en vrai, ce que j'ai à dessiner, ça n'a aucun sens. Hein. Mais déjà, je me dis de l'animal. C'est pas possible. Mais comment? T'es une meuf, c'est ça? Qu'on donne un VIP à cet homme? Non mais attendez là, comment tu as pu trouver... Les mecs, ça n'a aucun sens. Team jaune. Team jaune, mesdames et messieurs. Heureusement, mesdames et messieurs.
On arrive sur le meilleur jeu. Ça fait longtemps que je vous l'avais pas sorti, hein. Alors là, ça me régale. Alors, là, il faut reconnaître ce que je suis en train de faire en termes de chanson. C'est parti. C'est pas le refrain encore. Ok, ça arrive. Non, vous l'avez pas ? Je recommence. Il l'a ! Il l'a ! Je l'ai trouvé dans le chat ! Il l'a, mesdames et messieurs ! Putain, j'étais un monstre en plus ! C'était... Je pouvais pas faire mieux, les mecs. On en fait un dernier ? On en fait un dernier... Oh, j'ai une idée ! Oh, vas-y, c'est une musique de l'ancien temps, attendez. Ils l'ont pas ? Oh non, c'est des merdes ! Oh mais vas-y, mais personne connaît aussi, j'ai pris une musique trop vieille. C'est un truc français ancien et tout, genre. J'étais même pas né, mais je l'aime trop, genre. C'est pas possible, y'a pas un viewer qui la connaît pas, genre. Je vous fais écouter les trois premières notes, ok ? Ça vous fait une aide. Vous êtes prêts ? Et vous trouvez avec ça, tant pis. Ah ouais, bah non, mais vous l'avez trouvé instant. Ça veut dire que je suis vraiment nul à chier, alors. C'est Kenny qui a trouvé. Attends, mais c'est pas possible. Mais j'étais pixel. Ah, j'étais bien, en vrai. Kenny, c'est la team jaune, hein, du coup. Du coup, je suis obligé de mettre 50 points pour la team jaune, ce qui est une catastrophe pour le classement global. Mais ce n'est pas terminé, car nous allons faire une roue du Fall Guys. Et la roue finale et l'activité IRL. Autant vous dire que Fall Guys, vous pouvez déjà le lancer, hein. Ah bah, dans tous les cas, les 50 points jaunes, je crois qu'ils vont taper. Ah non, c'est 20 points sur le Fall Guys. Ok, prochain Fall Guys à 70 points la victoire au lieu de 50. Croco, quelqu'un a dit Nino Ferret, c'est Oggs. Non, encore avant, il y a même Antonomos, on dirait le Sud. Antonomos, c'est Team Rouge. C'est une catastrophe pour les jaunes. C'est littéralement une catastrophe pour les jaunes. Finalement, c'est les rouges qui récupèrent les points. Je pense que l'activité RL va devoir tout carry. Je rappelle, l'activité RL, les amis, c'est 2 notes sur 10. Un dessin, mais sur une surface très originale. Moi, en attendant, je vais lancer Fall Guys avec une game à 70 puntos. Mais attends, faire quoi là? Faut remplir dans les trucs? Ouais, c'est ça. Ok. Oh, ça a pas l'air très compliqué. Ah. Ça va, les mecs? En fait, c'est random, non? Ok, valait mieux aller de l'autre côté. Ah, mais vous plongez? Ah ouais! Ah ouais! Ok. Ah, mais là, j'ai. Ok, faut que je speedrun. Je vais passer en bas, je pense que c'est smart. Vas-y, je vais passer à droite. Aïe! Fallait passer à droite, mais j'ai pas réussi, c'est terrible. 22. Il y a personne de qualifié encore. 24. 25. Mais tout le monde va se qualifier au même timing au final. 27. Il y a pas de qualifié là? Ah, premier qualifié maintenant. 29. Ah, mais attends, je vais être dans les premiers, mais enfin, c'est free en fait. Attends, mais quoique, j'ai pas terminé en fait. Si ça va, 33 et je prends le jaune et c'est bon, j'imagine. Je prends le jaune et c'est terminé, hein. Les mecs, vous allez pas me croire. Non, non. Yes! Yes! Yes!
Oh putain. Faut faire quoi là? Ah mais c'est une race. C'est une race, je suis intenable hein, par contre. Regardez, vous avez vu mes pas de côté? Faut aller au milieu là. Yeah. Virage serré. Honnêtement, je suis clean. Qu'est-ce que je suis clean, bordel? C'est possible d'être plus clean que moi? Elles sont trop bien les nouvelles maps en vrai. C'est quoi, c'est un cut? Oh le bâtard! Attends, c'est quand la fin là? C'est soon non? Elles sont trop bien les nouvelles maps! Elles sont trop bien les nouvelles maps! C'est quoi le jeu là? C'est juste des trucs avec des boules? Je suis nul à chier avec les boules moi. 5 éliminés? Mais les mecs, comment on meurt en fait? C'est impossible, la map est trop grande. Faut être une tanche pour mourir ou c'est moi? Regardez, personne n'est mort. Hein. Le premier qui meurt, je pense que c'est vraiment la giga tanche, tu vois. Attends, mais ça va être lui, regarde. Oh, Velkouz, qu'est-ce qu'il est nul. Il est connu pour être nul, Velkouz, en plus. Sur 5, mais comment c'est possible? Comment ils meurent les gens? Après c'est peut-être la guerre jaune rouge, ils se battent. Je vais la regarder ça de plus près. Angel est mort, bon c'est un classique. Être autant nul à chier, c'est un palmarès. Il y a un groupe de 3 jaunes ici genre. Attends mais les jaunes sont partout là. Et les rouges se font péter le boule. Mais les rouges se font péter le boule. Il y a un groupe de 3 jaunes ici. Non mais oh, j'ai pas signé pour ça les jaunes là hein. Ah putain mais y'a l'eau qui a pris. Ah non. Attends, y'a combien de jaunes là en vrai là? C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaunes, 4, 5 rouges. Ah les jaunes ils sont en gang aussi, comment tu veux faire? Je suis en 1v6. Ok mesdames et messieurs, c'est quand même une game à 50 puntos. J'ai aucune idée de ce que va faire ce Kraken. What the fuck? Il va cracher des trucs. Ah non, il a des petites tentacules. Ok. Oula. Mais c'est Illaoi le machin là. Mais c'est Illaoi. What? Oh, il s'est fait péter. Double épingle. Mais tu t'es fait péter le boule. On va suivre Lilou. Une très grosse joueuse de la team rouge. Oh merde! Ok. Oh merde! Ok. Il reste combien là? Noé il est rouge hein, il me semble. Oh merde! Qu'est-ce que c'est que ce... Oh Ronit merci! Oh merde! Bon Lilou, c'est ton palmarès? Non mais attends, c'est grave. Et la victoire pour la team jaune! On a pas trop compris la fin. Hein. Attention parce que 5688 à 517. Allez, une petite roue, une game de Fall Guys. Et le jeu final. Oh là là, oh là là, oh là. 25 points next game. Ou 25 pour les rouges directement. 25 pour les rouges directement. C'est bon signe pour eux, ça leur fait du bien. Ça les fait monter à 542. Je vais pas vous mentir que cette game-là, les jaunes et les rouges, elle est giga importante. Hein. Regarde la roue. Foutez de ma gueule. Oh, what the fuck? Pardon. Ah non, les rouges, on n'est pas ensemble en fait. On n'est pas ensemble, c'est plutôt que cette game va être à 75 points. Je pense qu'il y aura une couleur pour donner en cas d'oubli. Je pense pas, non. Merde. Moi, je l'ai mal pris. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Attends, il y a un mec qui m'a pris là. Oh là là, quel enfer!
Ok, bon, je suis quand même dans le groupe de tête, mais... À l'aide. Double épingle premier. Oh, y'a Zul. TM plus Fall Guys. C'est donc ça. Ok, ok. Premier tour qui passe. Et y'a pas mal de rouges hein, qui se sont bougés le cul pour lancer le jeu là. En vrai, un rhinocéros, bon. Double épingle, ça suffit, Donald Trump là. Allez, je fais un petit tricks du village. De rien pour ça. Eh non, mon frérot, je me fous de ta gueule. Je me fous de sa gueule. Nulos. Y'a pas eu de mort encore là, je crois. Oh là, oh là, oh là, oh là, 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 calme-toi, calme-toi. Oh ! Oh là, 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 il est mort. Clay vient de se faire imploser par la corne. Ça sera le seul éliminé, j'ai bien l'impression. Il va vraiment passer pour un con. Tout seul à être éliminé, là. Une élimination, c'était vraiment le round de merde. Je vais péter mon crâne. C'est pas un très bon début de mon part. Hein. Je sais pas si c'est bien d'aller sur le côté. Hein. Ça a l'air long quand même, non ? Ah, après t'en prends pas mal en vrai. En vrai de vrai. Faut absolument que je le prenne sinon c'est open. Hein. Je sais pas au milieu, c'est... ça a l'air plus tendax. Ouah, Polynôme il est déjà qualifié. ...29, 30, 31, 32, 33. Je vais courir tout droit jusqu'au cercle final. Attends, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non mais y'a que des monstres là. Bon là c'est la trappe queue, c'est vraiment de la merde. Hein. 1 minute 25 de suicide. Mon rêve que double épingle n'ait pas de queue en fait là. Oh oui oui, régale-moi double épingle. Pas de chance hein. C'est sur cette finale, il y a actuellement 2, 3, 4, 5, 6 rouges contre 2, 3, 4, 5 jaunes. 6 rouges, 5 jaunes. Les jaunes, s'ils gagnent, ils terminent les espoirs rouges. Si les rouges gagnent, il reste un espoir avec le jeu de fin. Ça va être très stressant. Lilou, qui est une énorme joueuse de la team rouge. Ragnac, Nalou, encore présent. Polynome, qui est très fort également. En face, on a Zul, de TM. On a Kel Knight de la team rouge, que je ne connais pas. On a Kenny Shield, évidemment. On Zombar, de la team rouge. Mais il y a pas mal de monde dans la team rouge. Hein. Attends, la team rouge, ils sont plus que ce que j'ai dit, là, c'est pas possible. Polynome et Lilou, c'est les deux plus importants. Zul, attention, attention, Anonymous qui tombe, Nalou qui tombe, Sarivox qui tombe. Oh, j'avais même pas vu Sarivox. Je sais même pas quelle couleur il était, putain merde. Il reste plus grand monde. Il reste 3 jaunes, 3 rouges. Non, c'est pas possible, ça peut pas être, ça va pas jouer dans un truc aussi serré. Attention Lilou qui essaie de survivre.
Il reste plus beaucoup de cubes. Il ne faut pas se gêner entre jaune et rouge. Il ne faut pas se gêner. Vous êtes en train de vous entretuer. Lilou qui tombe. Il reste que Polynôme. Polynôme qui tombe. C'est Zombar contre le monde. Zombar, le seul espoir rouge. La victoire pour les gens. Le jeu va être à 150 points, ce qui va absolument servir à rien, sauf en cas de 100 points pour les jaunes, pour les rouges. Ce qui est... c'est où? Ici. Il y a une chance sur je sais pas combien. Ou alors inversion des scores ou banqueroute, ouais. Mais ça, j'y crois pas trop. Ah, moins 100. Non, on a dit 100, on n'a pas dit moins 100. Hein. On n'a pas dit moins 100, les rouges. Hein. Ok, 25 points next jeu. Ça veut dire que le jeu IRL est à 175 points. Si on regarde le tableau des scores et que les rouges gagnent, 517 plus 175, ça fait 617 plus 75. Ça doit faire un truc du genre 680. Donc malgré tout ça, il faudra une ultime roue. Ok, ok, j'ai reçu les deux trucs. Mesdames et messieurs, nous allons donc regarder l'image jaune et rouge. Pour 150 points. Alors. Je suis en train d'essayer de comprendre la surface. Un torchon? Du PQ? Non. En vrai, c'est bien dessiné pour du PQ. Hein. Eh, franchement, il s'est donné. Hein. Eh, franchement, il s'est donné une dinguerie. Hein. Alors déjà, au niveau de la surface, je vais mettre un bon 8 sur 10. Au niveau de la qualité, malheureusement, c'est forcément un peu plus bas. Mais ça reste big au milieu, je trouve. Je mettrais un 7. 15 sur 20. Clean, rien à dire. Félicitations, je t'applaudis et je vais aller regarder le dessin des jaunes. Attends, il a peint son casque ou je rêve là? C'est un derrière de PC, le truc à gauche, c'est quoi? Le gros dessin. J'ai tout peint à l'acrylique. Ici, je vais mettre une meilleure note sur le dessin lui-même. Parce que là, je le trouve magnifique, le petit croco jaune. Donc, je vais lui mettre un bon 9 sur 10. Au niveau de la surface, je vais mettre un petit peu moins que le rouge. Je pense mettre genre 7, ce qui donne un total de 16. Et là, j'avais dit combien? 15. Bah, du coup, mais la victoire pour les jaunes! Les rouges... Je vais pas vous mentir. Vous avez que deux possibilités. Trois. Banqueroute. 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 Inversion des scores. Inversion des scores. Mesdames et messieurs, cette semaine sera jaune! Je mets déjà les drapeaux de fin de stream. La victoire est jaune et sans appel. Après combien? C'était 2-3 semaines de rouge? 2 semaines ou 3 semaines si je ne m'abuse? Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, ouais. Franchement les mecs, j'ai adoré l'activité IRL. Vous avez fait des dingueries, franchement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre, mesdames et messieurs. Franchement, très bonne guerre. Très bonne guerre, bonne guerre sur 20. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle guerre.